Salut à toutes et à tous. Depuis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les États-Unis, par sa culture, son historique, sa politique étrangère. À se demander si je ne suis pas plus calé en histoire américaine qu'en histoire française. Alors au début, je voulais faire un top 10 des jeux parlant de l'histoire américaine, et il y en a plein. Mais finalement, je vous propose de trois jeux à trois époques différentes, parlant d'un épisode marquant de l'histoire des États-Unis, la guerre de sécession, dans trois styles, trois visions du conflit. Alors peut-être que je ferai un dimanche rétro plus tard sur l'histoire américaine. La guerre de sécession a eu lieu entre 1861 et 1865 entre l'Union, dirigée par Abraham Lincoln, tout juste élu président, c'est le côté industrialisé au nord, et de l'autre la Confédération, dirigée par Jefferson Davis, c'est le côté esclavagiste au sud. Alors c'est le nord qui va gagner cette guerre civile, abolissant l'esclavage et renforçant le pouvoir fédéral, mais revenons au jeu vidéo relatant de cette guerre, North and South, développé par Infogrames, Sid Meier's Gettysburg, relatant une célèbre bataille par le plus célèbre des créateurs de jeux de stratégie, et enfin un FPS pas forcément rétro, Call of Juarez Bound in Blood. On commence cette vidéo avec le jeu North and South, sorti en 1989 sur la plupart des ordinateurs de l'époque et étonnamment sur la NES. Les jeux sur la guerre de sécession sont le plus souvent des jeux de stratégie en temps réel pour ordinateur, mais on va voir que North and South mélange plusieurs gameplays, c'est pour ça qu'on le retrouve aussi sur la NES. Le jeu a été développé par Infogrames qui continuait sa lancée sur l'adaptation de bande dessinée belge en jeu vidéo. Ce sera ici le cas puisque North and South reprend l'univers de la BD Les Tuniques Bleues. Infogrames oblige, les graphismes sont vraiment excellents et retranscrivent parfaitement l'ambiance de la BD, et le jeu va se composer de plusieurs phases, donc plusieurs gameplays. Tout d'abord, il y a la carte représentant la partie est des États-Unis, là où s'est déroulée la guerre de sécession principalement, chaque zone étant un état, et on va déplacer nos troupes sur la carte au tour par tour, déclenchant selon le cas des phases d'action. La première phase est celle d'un combat quand une armée de l'Union rencontre une armée de la Confédération. Le combat va se dérouler sur un seul plan en vue de dessus et en temps réel. L'objectif est de détruire la totalité des troupes adverses, sauf si l'ennemi sonne la retraite ou qu'il ne lui reste que des canons. La stratégie est primordiale, on gère nos troupes, chaque unité a ses propres caractéristiques. L'infanterie est très mobile mais lente et ne tire que droit devant. La cavalerie est rapide et ne peut pas reculer et exige des affrontements au corps à corps. Et enfin, les canons se déplacent que de haut en bas ou de bas en haut et tirent donc des boulets de canon qui sont limités en nombre. La deuxième phase d'action, c'est la prise de fort qui intervient lorsque sur la carte du pays, un état ennemi affiche une gare. On se retrouve ainsi dans une action de type beat 'em all. En partant de la gauche, on doit atteindre la fin du niveau à droite. Chariots, chiens, bombes ou soldats ennemis viendront nous en empêcher ou nous ralentir. Le temps est compté. Et enfin, troisième phase, c'est la prise de train qui est semblable à la prise de fort, sauf que l'action se déroule cette fois sur un train. Cette phase est plus difficile, il ne faut pas tomber du train et atteindre l'extrême droite afin de stopper le train et de voler l'argent. À la fin de chaque tour, c'est à l'ennemi de jouer, son tour se déroule comme le nôtre. Le but est d'obtenir un maximum d'argent afin d'acheter de nouvelles unités, de nouvelles garnisons, et prendre le dessus sur l'adversaire, et enfin gagner la guerre. D'autres éléments de gameplay viennent enrichir le jeu, comme par exemple le contrôle de l'état de la Caroline du Nord, offre une unité gratuite tous les 4 tours, simulant une intervention européenne. Si un nuage en forme d'orage est au-dessus d'un personnage, ce dernier devra passer son tour. Il ne faut pas réveiller le Mexicain dans l'état du Texas, sinon nos troupes seront détruites, ou encore ne pas activer l'Indien dans le Colorado, sinon il déterre l'âge de guerre et détruit les troupes situées dans l'Oklahoma. On voit donc que le gameplay est assez riche avec plusieurs phases, ce qui augmente la rejouabilité. Il y a plusieurs façons de jouer et de gagner. Les différentes phases évitent l'ennui et la répétitivité. Et l'ambiance des tuniques bleues et de la guerre de sécession est très bien mise en scène. Un jeu qui mêle agréablement stratégie et beat 'em all. North and South, un petit jeu très sympathique à essayer. Quelques secondes de gameplay, on se retrouve pour le deuxième jeu. Deuxième jeu de cette vidéo, Sid Meier's Gettysburg, un jeu purement de stratégie en temps réel, comme Sid Meier, créateur de Civilization, sait si bien les faire. Le jeu est sorti en 1997 uniquement sur PC, développé par le studio Firaxis Games et édité par Electronic Arts. Petit rappel historique, la bataille de Gettysburg, une des plus lourdes en pertes humaines, est une des batailles les plus connues de la guerre de sécession. Elle a eu lieu en 1863 et verra la victoire de l'Union, commandée par le général Lee, et marquera un tournant majeur pour la suite de la guerre. La bataille de Gettysburg s'est déroulée en seulement 3 jours et c'est ce scénario que nous propose Sid Meier, en incarnant soit l'armée de l'Union, soit l'armée de la Confédération. On peut ainsi participer à une seule bataille en un seul scénario, ou alors le mode campagne avec toutes les batailles, soit 7 scénarios, qui se suivent dépendant de vos talents de stratège.
D'autres assauts fictifs sont intégrés dans le jeu, si bien qu'au total presque 25 batailles sont disponibles, avec une option de scénario aléatoire qui permet une rejouabilité infinie. Malheureusement, le jeu ne propose pas d'éditeur de cartes. En arrivant dans le jeu, on constate son interface riche et ergonomique, avec des introductions à chaque scénario nous mettant parfaitement dans l'atmosphère de la guerre, puis on découvre les objectifs de la bataille que l'on vient de lancer, nos troupes, nos réserves et nos renforts. On commande en général des unités d'infanterie soutenues par de l'artillerie. Ensuite, c'est du jeu de stratégie en temps réel, nos troupes ne sont pas forcément très bien positionnées au début, il faut donc assez vite donner les ordres pour mettre nos troupes à l'abri ou attaquer, on déplace nos régiments intuitivement en les faisant glisser sur la carte. Les combats vont dépendre aussi de plusieurs paramètres, la formation de nos unités, leur expérience, leur morale et leur emplacement, à nous de trouver la solution la plus efficace. L'horloge tourne et chaque scénario se déroule en général en une trentaine de minutes, le but n'est pas forcément d'atteindre un objectif mais surtout de le maintenir. 4 niveaux de difficulté sont présents et la stratégie est bien sûr de contrôler les collines, comme lors de vraies batailles. Cela apporte un gros avantage sur l'ennemi. Les graphismes et les animations nous plongent complètement dans l'ambiance avec beaucoup de soucis sur les détails, y compris dans la bande sonore, les bruitages des canons, des bataillons d'infanterie, les ordres du général, les coups de sirène. La réalisation est vraiment très bonne. À sa sortie, le jeu a attiré une large communauté de modeurs qui avait été prévue par les développeurs. Ainsi, les joueurs auront l'occasion de personnaliser les cartes alors que ce n'était pas prévu à la base dans le jeu, mais aussi les uniformes, les sons et les unités. Les amateurs de la guerre civile ont apprécié la modification du jeu pour le rendre plus juste historiquement. Ainsi, quelques modeurs ont rajouté d'autres batailles importantes de la guerre de sécession et un mode multijoueur est venu rapidement enrichir le jeu avec son mode en ligne ou en réseau local également qui aura un très bon succès. Bref, Sid Meier's Gettysburg est un jeu à conseiller pour tous les amateurs de la guerre de sécession, ou plus simplement des jeux de stratégie en temps réel, dans une ambiance et un univers que l'on connaît peu en Europe, si certains cherchent un peu de nouveauté. Le jeu gagnera par ailleurs l'Origin Awards du meilleur jeu de stratégie pour ordinateur en 1998, ce qui poussera Sid Meier et son studio à développer une suite, Sid Meier's Antietam, en 1999, toujours à propos de la guerre de sécession, en reprenant le moteur de jeu et le gameplay de Sid Meier's Gettysburg. On finit cette vidéo avec le jeu Call of Juarez Band in Blood, développé par Techland et édité par Ubisoft, sorti en 2009 sur PC, PS3 et Xbox 360. Alors 2009, c'est pas vraiment du rétro gaming, et puis je présente en fait le deuxième opus de la série Call of Juarez, qui a débuté en 2006. Mais c'est parce que j'ai installé le jeu il y a quelques semaines, j'ai apprécié le jeu, mais je savais pas trop comment faire une vidéo dessus, donc le voici dans un dimanche rétro. Call of Juarez Band in Blood est un FPS, donc on change complètement de gameplay par rapport aux deux jeux précédents. À cette époque, la société Techland est connue pour avoir réalisé surtout des jeux de course. En 2003, ils s'étaient lancés dans le FPS avec le jeu Chrome, en créant leur propre moteur de jeu, le Chrome Engine, qu'ils utiliseront dans la série Call of Juarez. Aujourd'hui, Techland est connue pour avoir développé des jeux comme Dead Island ou Dying Light. Dans Call of Juarez Band in Blood, on y incarne Ray McCall, que l'on contrôlait déjà dans le premier opus. Cette fois-ci, il sera accompagné de son frère qui se bat sur un autre front pendant la guerre de sécession du côté des Confédérés. Après le premier chapitre du jeu, les deux frères décident de déserter pour retrouver leur mère et leur autre frère. Les déserteurs sont bien sûr vivement recherchés par l'armée. Trouvant leur mère décédée, ils décident de rejoindre le Mexique, car ils ont entendu parler d'un mystérieux trésor, le trésor de Juarez. L'histoire se passe 20 ans avant le premier opus, en 1864, et reprend tout l'univers d'un bon film de western, avec des séquences de jeu aussi variées qu'intéressantes, poursuite en diligence, attaque d'un village indien, duel d'homme à homme, une aventure riche qui malheureusement sent beaucoup le scriptage et le dirigisme, peu de place pour des quêtes secondaires ou de l'exploration, excepté quelques chevauchées solitaires assez ouvertes. Le jeu est aussi enrichi par des cinématiques très bien réalisées, avec parfois un petit peu trop de dialogue, mais toujours pour nous mettre dans l'ambiance, avec aussi de nombreux personnages secondaires très charismatiques, comme le colonel qui recherche les deux frères, de la belle et charmante Marisa, du bandit Juarez ou encore de l'indien Torrent. J'ai d'ailleurs moi-même aussi trouvé le jeu grâce au logiciel uTorrent, la boucle est bouclée. Bonnes animations des personnages, actions variées et très prenantes, les décors du Far West nous offrent d'excellentes cartes postales, de très bons gunfights à la sauce western. On incarne à chaque scénario un des deux frères dans des missions diversifiées, une quinzaine de chapitres au total, entre style bourrin mais le plus souvent tactique, qui offre une bonne rejouabilité malgré la faible durée de vie du jeu. Call of Juarez Band in Blood recevra de meilleures notes que son prédécesseur, grâce à son histoire, ses graphismes et malgré la linéarité du titre.
Techland sortira de suite Call of Juarez The Cartel en 2011, qui se déroule plus dans l'époque moderne, puis Call of Juarez Gunslinger en 2013, qui revient à l'époque du Far West. Ainsi s'achève cette vidéo, merci de l'avoir suivi, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Pour me soutenir, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Tipeee, le lien est dans la description. Un grand merci aux quelques tipeurs qui me soutiennent, et merci aux autres de suivre mes vidéos, ça fait toujours plaisir. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.